Je m'appelle Garance Trésarieux, je suis designer textile. J'ai fait l'école des arts déco de Paris. Je dessine depuis que je suis vraiment toute petite. Ce que j'aime beaucoup dans l'illustration, c'est que c'est vraiment versatile. Ça me permet de travailler pour la femme, pour l'intérieur, pour la décoration, le maquillage, le packaging. Mariono avait vraiment envie de travailler sur l'univers de la toile de Jouy. Ils avaient envie de reprendre un type de dessin traditionnel. Et ils m'ont contacté parce qu'ils ont vu que j'avais déjà travaillé sur la toile de Jouy, qui est un sujet en fait que j'aime vraiment énormément. C'était important pour Mariono de retranscrire la beauté d'un hiver majestueux avec ce motif. C'est pour ça qu'on a travaillé de très grands arbres, c'est pour ça qu'on a fait venir toutes ces petites pointes de doré. On a toujours un travail d'esquisse et de dessin à la main. Une fois qu'on a fait ces dessins et ces croquis, c'est intéressant de pouvoir les travailler avec la tablette pour pouvoir leur donner un côté suffisamment net et surtout voir comment est-ce qu'on va agencer les éléments les uns à côté des autres. La collection Noël de Mariono, l'idée, ça a été de partir de la toile de Jouy, qui est un motif très traditionnel français du XVIIIe siècle. Il a fallu qu'on aille chercher de la végétation, parce que ça, c'est très typique de la toile de Jouy. Des sapins, du houx. Et ensuite, on a pu y intégrer des petits personnages qui vont raconter une histoire. Chacune des scénettes se répond. On a aussi repris la couleur traditionnelle de la toile de Jouy, ce rouge presque marron et ce bleu, tout en ayant un thème qui, là, est plus contemporain et qui est vraiment celui de la collection de Mariono. Et c'est comme ça qu'on a conçu ce motif.